Alors Winston, qu'est-ce qu'il y a? Hey, j'ai pas accès à ce site. J'ai besoin d'aide d'un expert en informatique parce que. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme un système qui t'aide à résoudre les intrigues de romans policiers. Ou même de vrais crimes. Vas-y, clique là. Alors clique. Ah là, mais là j'ai déjà cliqué là. Attends, mais calme-toi. Je suis calme. Tiens, vas-y, amuse-toi, Charles. Oh, cool. Cool, c'est tout à fait mon genre de site, ça. Oh, j'adore le net, mec. Regarde, en 2 secondes, t'as toutes les infos que tu veux. D'ailleurs, ça te dirait pas d'avoir un ordi, toi? Non. Ah ouais, c'est bizarre, quand même. Un mec qui a fait fortune autour des ordis, il en a pas un seul chez lui, tu vois. Ah là, par contre, ça, c'est super, parce que... Et normalement, on est censé pouvoir résoudre n'importe quel crime complexe. Hey, Don. Don, ça va? Quoi? Y a un problème? C'est sûrement rien. Oui, c'est une lettre d'une de tes chéries. Je veux dire ça comme ça. Je te la lis. Cher Don, parfois la vie réserve d'étranges surprises. Ça doit faire 20 ans maintenant depuis la dernière fois où nous nous sommes vus, mais aujourd'hui j'ai quelque chose à te dire. Il y a des années après que notre histoire se soit terminée, j'ai découvert que j'étais enceinte. J'ai décidé d'aller au bout de ma grossesse. J'ai gardé l'enfant. Un fils. Ton fils. J'ai décidé de l'élever toute seule car notre temps ensemble était révolu. Mon fils va bientôt avoir 19 ans maintenant. Il est un peu timide et secret, contrairement à toi. Mais aussi une merveilleuse personne et sensible. Il y a quelques jours, il est parti pour un voyage mystérieux et je suis presque sûr qu'il cherche son père. Je ne lui ai quasiment rien dit de toi, mais il est plein de ressources et imaginatif. Enfin, si c'est bien ton adresse, je me suis dit que tu devais le savoir. Il n'y a pas de signature. Il n'y a pas d'adresse de retour. Eh ben alors, félicitations. T'es papa maintenant. T'as pas l'air réjoui. Je peux voir? Alors, l'adresse est écrite à la main, mais imprimée sur l'enveloppe. Et la lettre, machine à écrire avec ruban rouge. C'est curieux, non? Et le cachet est presque impossible à lire. Et t'es sûr de pas savoir de qui ça peut être? Nope. Et de ce que je sais, t'étais un genre de Don Juan, non? Don Juan. Je dois y aller. Ouais, tu veux que je garde la lettre? Comme indice, comme preuve? Donne!